Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Crouch Gaming pour vous servir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de la Woodbox, enfin bon vous avez lu le titre donc vous le savez, il n'y a pas spécialement de surprise. Voilà, alors cette Woodbox, on va tout simplement ouvrir cette boîte, c'est le principe de l'unbox. Hein, on unbox, on unbox. C'est une box spéciale Star Wars donc. Voilà, alors attention, déjà si on met 3 ans à ouvrir le carton. Voilà. Alors, on y va en mode barbare, j'aime bien. Alors, dans cette boîte, qu'est-ce qu'on trouve tout d'abord? Une autre boîte. Et voilà, j'ai une boxée. Alors, bon, je rigole. On trouve une boîte fort sympathique d'ailleurs, elle est très très jolie, très très belle. Bon, voilà, alors on y va. Hop. Je vais ouvrir ainsi, comme ça, je ne verrai pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, première chose. Un stickers Star Wars. Ah, vous voyez pas bien, enfin, il y a marqué Star Wars. Un sticker pour commencer, un petit sticker Star Wars, sympathique. Je sais pas où je vais le mettre encore, mais je vais l'accrocher quelque part. Vous pouvez me faire confiance. Donc voilà, bon, c'est pas mal pour commencer. C'est pas mal pour commencer. Ensuite, avec cela, le livre, comme tous les mois, il y a un livre avec pour nous expliquer un peu le contenu de la Woodbox, le prix de chaque chose. Nanana. Je vais pas l'ouvrir sinon je vais me spoiler ce qu'il y a dans la box. Voilà. Ensuite. On part sur un Funko Pop exclusif Woodbox. Attention. C'est Saw Gerrera de Star Wars Rogue One, le film qui va sortir de Star Wars. Le nouveau. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Y a le reflet. La télé qui est pas commode, voilà. Exclusive Footbox, donc voilà. Donc normalement, on devrait pas le trouver ailleurs, en tout cas pas dans cette tenue où je ne sais pas ce qu'est Exclusive Footbox, mais ça fait plaisir. Hein, c'est pas dégueu pour ma collection que vous avez pu apercevoir déjà. Voilà. Ensuite, un très beau verre. Il est vraiment cool. Il est vraiment beau. Il va rester dans sa boîte au final, mais attendez, je vais quand même. Je le remettrai dans sa boîte tout à l'heure. Tout reste en boîte avec moi. Voilà. Voilà. Très beau verre. De Star Wars Rogue One. Hein, toujours de Star Wars Rogue One. Très beau, très beau. Voilà, j'espère que vous avez bien vu. C'est vrai qu'avec le reflet de la télé, j'ai l'impression. Ah non, si c'est bon, vous avez dû le voir. Voilà, il est vraiment beau, il est cool. Bon, après, ça reste un verre, mais il est cool. Ah d'accord, et il change de couleur. Par rapport à la boisson qu'on met dedans, vous voyez, il est vert de base et quand l'eau est froide, et il devient blanc quand on met quelque chose de chaud à l'intérieur. Donc voilà. Alors, quand il y a température ambiante. Bon, écoute, moi j'avais rien dedans, il était vert. Bon, bref, de toute façon, il est là pour faire beau. Voilà. Ensuite, un dessous de verre, Star Wars, Rogue One toujours. Voilà, un petit dessous de verre. Bien sympa. Accompagné, oui, j'avais bien cru le sentir d'un deuxième. Qui pète un peu plus. Vous savez, c'est les trucs qui bougent là quand on bouge l'objet. Je sais pas si vous allez le voir.
C'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. C'est sympa. Ensuite, le pins habituel qu'il y a toujours avec la woodbox. Ceci, c'est bel et bien Star Wars. C'est l'étoile de la mort qui est représentée pour les connaisseurs de Star Wars. Voilà. Ensuite, attention, attention, suspense. Le dernier objet, et non des moindres, il s'agit du t-shirt que je vais vous déballer. Ça, je le déballe comme vous pouvez le voir, le t-shirt qu'il est sur moi, il vient aussi d'une woodbox. Voilà. Que je déballe, si je trouve comment on fait. Elle est là l'ouverture, voilà. On va déballer tout ça. Hop là. Très beau petit t-shirt. Voilà. Solo et Chewie. Donc Yann Solo et Chewbacca dans le Millennium Falcon. Faucon Millennium. Donc voilà, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Produit officiel Disney. Voilà. Et bien voilà, donc on va faire un petit récapitulatif. Un petit récup. Tu m'as compris? Rapide. Hein, tu m'as compris. Oui, tu m'as compris. C'est obligé que tu m'as compris. Ben oui, tu m'as compris. Voilà. Un petit récapitulatif rapide. Donc le t-shirt. Le Funko Pop exclusif à la Woodbox. Le verre. Le pins. Les deux dessous de verre. Voilà. Et le stickers. Et la boîte. Donc voilà. Sur ce, ben, il n'y a plus grand-chose à dire, hein. J'espère que ce unboxing vous aura plu. Moi, je vous dis à très 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 bientôt pour de prochaines vidéos. Et allez, à plus. Ciao tout le monde.